Bonjour tout le monde, je suis très très heureux de vous rencontrer. Je voudrais commencer par remercier la JATA pour avoir envoyé en Tunisie une mission pour s'assurer de la situation et encourager les Japonais à voyager. Vous comprenez que le rôle d'un président, c'est de faire la promotion de son pays, donc je vais faire la promotion de la Tunisie, mais je peux vous assurer que je suis totalement sincère en vous disant que vous pouvez avoir confiance dans ce pays. Sur le plan de la sécurité, qui est la chose fondamentale pour des agences de tourisme, nous avons eu des problèmes après la révolution, parce que l'appareil sécuritaire qui était lié à la dictature s'est effondré, et nous avons eu quelques difficultés pendant la première année, donc l'année 2010-2011. Mais en 2012-2013, nous avons pu redresser la situation parce que l'appareil sécuritaire a été reconstruit, parce que l'armée a mieux bouclé les frontières et parce que le processus politique a pu avancer de façon positive. Parce que la grande source d'insécurité dans un pays, c'est la situation politique. Quand on contrôle la situation politique, après les problèmes deviennent tout à fait faciles à contrôler. Or, la Tunisie, c'est une population modérée et une classe politique sage qui a pu se mettre d'accord sur une constitution, sur la date des élections, sur les mécanismes d'élection libres et honnêtes, ce qui va nous permettre d'ici la fin de l'année d'avoir une bonne constitution et d'avoir de bonnes élections et de mettre l'État en position de stabilité. Et dans le cadre de cet État démocratique non corrompu, stable, l'économie pourra fonctionner correctement. Et dans le cadre de cette économie, le tourisme, évidemment, compte pour nous énormément. Jusqu'à présent, notre politique de tourisme était une politique de tourisme de mauvaise qualité et essentiellement tournée sur l'utilisation des plages. Aujourd'hui, nous voulons changer tout cela. La Tunisie est un vieux pays qui a 3000 ans d'histoire et c'est un véritable musée à ciel ouvert. Nous voulons donc promouvoir le tourisme culturel. Je sais que les Japonais connaissent beaucoup notre héros national Hannibal et nous allons axer aujourd'hui notre politique de tourisme sur le tourisme culturel historique. Nous voulons faire des circuits pour montrer la Tunisie carthaginoise, la Tunisie romaine, la Tunisie chrétienne, la Tunisie juive, la Tunisie musulmane. Toutes ces Tunisies-là vous attendent et vous tendent le bras. Donc, merci à vous tous pour votre amitié et pour votre confiance. Merci à la JICA pour le développement du tourisme japonais en Tunisie. Et je voudrais aussi dire un grand merci à M. Hidaka pour l'intérêt qu'il porte pour le patrimoine tunisien et sa mise en valeur. Et je lui cède la parole.